Un auteur de BD revient dans son ancienne école à Dortmund. Au début des années 80, l'adolescent de 13 ans qu'il était a été agressé à plusieurs reprises par des néo-nazis. Aujourd'hui, Nils Holzkamp raconte ses passages à tabac dans un roman graphique. La porte s'est ouverte et ils ont crié « Ah voilà le traître à la patrie !» J'ai répondu « On dirait que Laurel et Hardy sont de retour. » L'un des néo-nazis m'a bloqué par derrière, tandis que son copain me donnait de grands coups dans l'estomac. Je suis tombé à terre, j'ai perdu connaissance et je ne me suis réveillé qu'une bonne heure plus tard. C'était la première agression. Nils Holzkamp essuiera aussi des coups de feu. Plusieurs fois, il sera attaqué sur le trajet de l'école. Les agresseurs sont des néo-nazis de son lycée, souvent appuyés par des hooligans plus âgés. L'auteur a frôlé la mort, mais ce qui l'a le plus choqué, c'est la lâcheté ambiante. La police et les enseignants n'ont pas jugé utile de le protéger. Les parents avaient d'autres préoccupations et les élèves de sa classe l'ont tout simplement laissé tomber. Personne ne m'a aidé. L'un des néo-nazis a hurlé à mes camarades de classe « Si vous l'ouvrez ou si vous allez voir les flics, on vous fera la même chose ». Du coup, ils avaient tous la peur au ventre. C'était de l'intimidation pure et simple et ces méthodes sont toujours utilisées aujourd'hui. Les néo-nazis de l'époque sont toujours actifs. Ils siègent au conseil municipal de Dortmund et via les réseaux sociaux, ils recrutent de nouveaux sympathisants ou organisent des actions. Alors Nils Holzkamp va présenter sa BD dans les écoles. C'est sa manière à lui de lutter contre l'extrême droite. Du populisme à la radicalisation, il n'y a que quelques pas. Et ça, il faut le dire aux gens. Et c'est ce que je fais avec mon crayon. C'est aussi une forme de résistance à l'extrême droite. Trois pierres, c'est le titre de la BD de Nils Holzkamp, en référence à une tradition juive qui consiste à mettre des pierres sur les tombes en souvenir des victimes des nazis.